soit pour éventuellement créer cet exploit et se qualifier. Le 11 de départ, deuxième de finale de la Coupe de France, pour retrouver dans leur dos. Et c'est vrai que Marcin Gauthier a été très concentré pour intervenir sur ce ballon en profondeur. Elle l'a percé de Kefren Thuram, qui peut décaler. Récupération rapide. Voilà, j'ai encore mis aux abords de la surface. Ouais, c'est là où il peut faire mal. C'est là où il peut faire mal en plus parce que Thuram a des jambes de feu, il faut quand même le reconnaître. C'est un garçon qui a beaucoup progressé ces derniers mois. T'as trouvé Nuno Mendes dans la surface, le centre en retrait maintenant. Repoussé par Kefren Thuram. Il enchaînera potentiellement avec un quart de finale de Coupe de France s'il se qualifie ce soir. Enfin, on sent pas Icardi en train de peser sur la défense niçoise, ni Lionel Messi, ni Julian Draxler. Donc Berg, Higuaín qui récupère ce ballon avec Thuram. Il y a deux contre un là-bas à jouer avec Amavi, il faut qu'il... Oh, c'est dommage qu'il aurait dû, continuer, fixer Dagba et donner à Justin Kluivert. Et Thuram qui cherche Doldak dans la surface. De l'espace, côté droit pour Colin Dagba. Tout de suite face à deux Niçois qui sont très vite regroupés. Et un super ballon de Corbeck Schneiderlin. Thuram. Déclencher un pressing un côté parisien, on a un petit peu de mal quand même à pouvoir se saisir du ballon, et du côté niçois on s'en sort très bien sous pression. Et encore là, Thuram, quel festival. Il y a un peu de réussite, mais derrière il y a aussi beaucoup de volume. Si, qui est passé, Lionel Messi toujours, et qui ne tiendra pas le coup franc. Là on se rencontre, et je pense que c'est une réalité que les gens pas réellement, il y a beaucoup plus. Verratti sur Icardi. Et encore un ballon récupéré par Kefren Thuram. On de Lionel Messi dans cette deuxième période. Messi, il n'était même pas né quand son papa est devenu champion du monde en 1998. Et qui nous fait très très belle. Verratti qui va trouver Messi dans la surface. Messi qui est passé. Contré l'Argentin finalement. On arrive à l'heure de jeu. Et toujours cette possibilité pour vous de jouer avec nous ce soir pour tenter de gagner le chèque de 30 000 euros mis en jeu durant cette Coupe de France 2021. C'est beaucoup plus dans l'incertitude que le Icardi qui est beaucoup plus... Bon, Icardi qui est quand même un garçon et un attaquant beaucoup plus statique. On se centre en retrait. Jusqu'au et le voilà maintenant sous le maillot de l'OGC Nice. Il va rentrer poste pour poste. Ce dimanche, évidemment que forcément...